Terima kasih telah menonton! pour cette première masterclass de la saison ici au Théâtre 14. Bienvenue Anne Kessler. Merci. On est très très heureux de vous accueillir. Je vais sûrement le répéter un peu souvent et j'en suis désolé, mais c'est une vraie joie. Euh, ce que je dois vous dire avant que ça commence, c'est que vous pouvez donc nous suivre aussi sur les réseaux et poser des questions qu'à la fin, comme chaque masterclass, mais là je vois beaucoup beaucoup de nouvelles têtes, j'en suis très heureux. Donc je vous le dis, à la fin, de, le dernier quart d'heure est pour vous. Euh, il y a un micro qui va circuler dans la salle et vous pourrez poser des questions. Euh, toutes les masterclass que l'on fait, et celles-ci compris, vous pouvez les retrouver sur le site de l'Université populaire du Théâtre 14 en ligne gratuitement. Euh, et vous formez à, à peu près tout par la force des choses, mais beaucoup au jeu, à la mise en scène. Euh, mais aussi à la philosophie et aussi à plein d'autres choses. Voilà, il y a plein, plein de choses intéressantes et exactement ce qu'on était en train de se dire, tout se recoupe. Je dois vous dire aussi que Anne est là dans le cadre du spectacle Extrait de femmes qu'elle présente ici au Théâtre 14, tout à l'heure à 16h et puis toute la semaine prochaine. Donc vous pouvez venir le voir et le revoir autant que vous en avez envie. Je dois dire aussi que, comme vous le savez sûrement déjà tous, il reste trois jours pour voter pour le budget participatif et je vous enjoins avec passion de voter. Euh, sur Internet ou dans les urnes. Euh, c'est le projet 5 de la mairie du 14e. Donc, si vous ne faites pas partie du 14e, ce n'est pas grave. Sur Internet, il faut juste faire attention à mettre que c'est votre arrondissement de cœur et ça va nous permettre euh, voilà, de faire un très bel agrandissement de notre hall et du coup d'accueillir les gens dans de bien meilleures conditions. Donc, voilà. Aidez-nous. On vous en supplie. Il reste trois jours et après, je vous laisserai tranquille avec cette histoire. Euh, en changeant d'histoire, Anne, <laughs> c'est ton tour. <laughs> et euh, ma première question sera, euh, en fait, euh, si tu veux, l'idée de ces masterclass et le, le plan un peu que nous allons suivre est d'abord d'essayer de comprendre comment on devient Anne Kessler, euh, pour ceux qui ont envie de le devenir, et il y en a dans cette salle, ah. moi compris. Euh, la deuxième, ce serait euh, comment tu travailles et, euh, et la troisième, si on a le temps, euh, de, euh, de nous parler un peu du spectacle. Mais le principal, c'est euh, ta vie et ton œuvre. Et ma première question, c'est comment est-ce que, euh, un, tu as découvert le théâtre, ou, c'est un peu une question à choix, tu réponds un peu comme tu veux, ou quel a été ton premier choc esthétique où tu t'es dit, oh, ok, l'art, c'est mon truc. Alors le premier choc, on me l'a souvent demandé, je pense que je préfère commencer par comment c'est venu. Euh, c'est venu en jouant, mais en jouant avec mes amis dans la cour de récréation, en me racontant des histoires, en dessinant beaucoup. Je dessinais, je me racontais des histoires, et comme je dessinais beaucoup de personnages, je dessinais des personnages et je, et je me projetais dans les personnages que je dessinais. Donc j'ai toujours eu la sensation d'être dans un monde de jeu, et donc euh, ça m'aurait été, euh, ça, c'était pour moi impensable de le quitter, euh, que, que ma vie s'arrête, euh, enfin ma vie se serait arrêtée si j'avais quitté le jeu. Et alors qu'est-ce que tu as fait euh, entre temps, entre, entre ce moment où tu dessines... Euh, chant, ou... ouais exactement, vraiment intimement quelque part, et que euh, ça arrive un jour dans un endroit plus formalisé euh, d'un cours de théâtre ou d'une scène alors le, le, le cours de théâtre, il est, il est venu, effectivement, il faut, il faut passer le pas euh, d'aller dans un cours de théâtre quand on, quand on ne vient pas, de, quand dans sa maison, dans sa famille, euh, il n'y a pas de cours de théâtre. Moi, je venais d'un endroit où c'était assez sévère, assez strict, et je pense pas qu'être actrice, euh, c'était formidable dans ma famille. Donc, il a fallu que je... Je, je crois que je me suis un petit peu organisée de manière un peu secrète. Je suis un petit peu tombée malade, on va dire, pour qu'on s'inquiète un petit peu pour moi et qu'on se dise, mais qu'est-ce qu'on peut lui faire faire euh, Du yoga, de la gym, de, 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 un peu plus de sport ou, ou du théâtre Et comme euh, c'est un médecin qui a dit, bah, faites-lui faire du théâtre. Ce jour-là, j'ai eu la sensation que il euh, y avait une fenêtre qui s'ouvrait. J'avais un médecin disait à ma famille il faut lui faire faire du théâtre. Non pas que j'étais malade, malade, mais enfin, euh, j'étais un peu introvertie peut-être ou un peu, euh, un peu inquiète, voilà. Et donc, euh, tout à coup, euh, j'avais une ordonnance. Voilà, c'est ça l'idée. J'avais une ordonnance pour faire du théâtre. Donc là, c'était, j'ai senti que c'était un, un pas. De géant pour, pour moi. Donc après, il y a un cours de théâtre. Le premier cours de théâtre où je vais euh, et que je, je passe des scènes, j'adore, je, je, je me sens bien. Je, et euh, c'était où C'était quoi euh, Alors le premier, c'était un, un cours d'arrondissement du 5e arrondissement. Je me souviens plus du professeur. Je sais que j'avais passé une fable euh, très maladroitement et qui m'a dit euh, Écoute, je te prends. Je sais pas pourquoi, mais je te prends. <laughs> Et je me souviens de Je ne sais pas pourquoi. Et je me souviens aussi que je n'ai pas continué dans ce cours. Euh, je suis allée un petit peu à la Scola Cantorum. Et puis après, je suis allée au centre américain. C'est quoi la Scola Cantorum C'était rue Saint-Jacques. Et euh, ensuite, euh, je... c'est Luce Berthomé qui donnait des cours. Et puis ensuite, j'ai été au centre américain. Et puis, euh, au centre américain, j'ai un de mes amis avec Paul Weaver et Blanche Salan. Et puis après, j'ai un de mes amis qui m'a dit euh, :« Moi, je vais aller passer l'audition de Philippe Duclos. » C'était une école que Daniel Mesguiche euh, avait ouverte à Saint-Denis, et c'est la première audition que j'ai eue. Et en plus, et ensuite, après les fables. Après, après, après la, fable. la fable, oui. Et puis ensuite, euh, après je vais m'arrêter parce que ça a été assez vite. Et puis après, euh, ce même ami m'a dit euh, Antoine Vitesse euh, fait une école à Chaillot. Euh, là j'ai pensé, euh, bah, ça c'est sûr, je vais la rater. Oui, inscris-moi si tu veux, mais c'est sûr que ça marchera pas. Et c'est probablement, la... c'est la seule audition que j'ai vraiment réussi c'est celle-là. Et voilà, et comme Antoine a été nommé administrateur, c'est comme ça que je suis rentrée à la Comédie-Française. Donc ça a été assez rapide, finalement. Oui, mais alors Oui. Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là C'est-à-dire, en gros quel âge, quand, si tu as envie de le dire Oui, oui euh, Quand ce médecin te fait ce mot 16 ans. Et donc avant ça, pas de théâtre, jamais euh, Si, je, je monte des choses, des pièces avec mes cousins, euh, euh, des spectacles dès que j'en ai l'occasion. Euh, je, je, je suis passionnée par ça quand même, et je ne sais pas d'où ça. Enfin, si, ça vient de euh, l'école. Je, je me souviens aussi effectivement un professeur de français euh, qui, qui, nous a, qui nous a amenés dans des, des endroits incroyables, chez Peter Brook au Théâtre du Soleil, voir un spectacle qui s'appelait Le Bal, euh, qui était assez extraordinaire. Et je me souviens aussi que Peter Brook était venu à l'école, au lycée. Et puis, j'étais jamais choisie. Moi, j'étais très timide, j'étais très discrète. J'ai l'impression qu'on ne me voyait pas beaucoup. Et ce jour-là, il a choisi quelqu'un et, et, et il a dit, « Bon, je vais choisir quelqu'un. » Et je me suis dit, oh là là, pourvu bon, qu'il ne me choisisse pas. <laughs> et puis il m'a choisi. Je me suis retrouvée au milieu de, du plateau devant des élèves du lycée qui m'impressionnaient énormément. Et que, que... Et donc, euh, mais j'ai été impressionnée, mais très heureuse. Donc, c'était des petites choses comme ça où je me disais, il ne faut pas que j'oublie que ça me rend tellement heureuse. Ou aussi euh, dire des poèmes sur l'estrade, les poèmes qu'on devait apprendre. Ça aussi, c'est important. Si vous sentez que, au moment où vous dites le poème, euh, vous êtes au bon endroit, vous, dites, vous, dites, vous faites quelque chose euh, où vous sentez que vous êtes euh, puissant, que, que vous étonnez. Qu'on vous regarde un tout petit peu différemment, qu'on vous écoute sans que vous le demandiez. Et ces cours que, que tu choisis, parce que du coup, tu en as fait finalement pas mal. Donc. Est-ce que je me trompe si je, je, si je crois penser qu'il y a une certaine exigence dans, dans ce qu'on t'apportait, dans la manière dont c'était... Parce que comment, comment tu comment as circulé, comment tu as cherché Après, quand tu dis que vers 16 ans, je comprends mieux qu'on puisse euh, dire, bah non, là, ça ne me va pas, j'ai plutôt aller là-bas et, et tout ça. Mais du coup, il y a quand même une recherche, il faut connaître. Quoi, comment tu comment as su où aller comment s'est euh, fait. Le, le, premier, le premier contact c'était il y a toujours quelqu'un de votre famille qui euh, euh, là en l'occurrence il y avait un oncle qui était un cousin d'ailleurs qui était Caméraman et qui euh, euh, connaissait un petit peu euh, des cours et qui m'a conseillé ce cours-là. Euh, je ne sais pas d'où il... Et puis après, euh, à... il suffit d'avoir un cours et de dire... J'aime, j'aime pas. J'aime bien les gens qui travaillent. C'est les rencontres qu'on fait avec les élèves. C'est une bonne rencontre avec quelqu'un avec qui on a travaillé une scène, avec qui on s'est bien entendu, qui a entendu parler d'un très bon cours, qui a entendu parler d'une audition, qui a entendu parler de, et qui, voilà, c'est toujours une histoire de rencontre. C'est toujours, c'est le mot clé, c'est la rencontre. Et du coup, tu, donc tu, tu, tu suis ces cours avec quand même un certain succès puisque tu y rentres quand même à chaque fois et tout ça. Il euh, y a cette école du coup de Mesgich euh, qui doit être. Je, je Là pose aussi, c'était étape... un concours c'était mon premier concours. Et Philippe Duclos m'a euh, vraiment très très bien accueilli. C'est euh, je, je lui dois beaucoup. Et à ce moment-là, tu es toujours au lycée euh, Oui, là, je finis. Non, non, là, je venais de passer mon bac. Non, non, j'avais passé mon bac. Et euh, j ai, j ai, je suis rentrée dans un amphi de, de faculté. Et là, vraiment, j'ai compris que ce n'était pas du tout ma vie. Pas du tout, du tout. Il y avait beaucoup, beaucoup trop de monde. Et euh, ça, ça, là, ce n'était plus possible du tout. Ça, Là, la panique m'a pris. C'est aussi le... le... C'est une panique formidable, de se dire, je ne suis pas du tout chez moi. Là. Ouais, ouais. Mmh. Et donc, c'était sûr qu'il fallait aller plus tôt dans des cours de théâtre. Et donc là, il y a un choix qui se fait de professionnalisation euh, oui. assez oui, rapide, oui. en fait. Oui, oui, assez rapide. Mais là aussi, c'est une personne. Je, je tenais secret l'envie d'être actrice. Et puis, tout à coup, il y a une personne qu'on estime et qui vous dit, oh, ça tirait bien d'être actrice. Donc, tout à coup, il y a une personne qui... Trouve pas ça ridicule. Donc, grâce à cette personne, on dit ben voilà, moi je veux être actrice. Parce que c'est déjà très difficile de dire euh, j'ai envie d'être actrice. Parce que tu as l'impression que tous tes copains vont, 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 vont se de toi. Parce que, parce que les actrices qu'on connaît, c'est des stars, c'est des, des filles ou des femmes qui sont dans des magazines, qui sont, euh, qui sont beaucoup plus belles, qui sont beaucoup plus... Tu dis, attends, tu t'es vue, tu veux être actrice Oh là là, c'est ridicule. Voilà. Voilà. Et euh, tes parents, ils sont OK, du coup, toute ta famille et tout ça qui avait un Non, peu ils ne sont pas très, très, très OK au départ, euh, surtout mon père. Et puis... Euh, il a été un peu apaisé dans, quand je suis rentrée au français finalement. Il y a quand même une petite période euh, une de latence. Petite, il y a une petite période un petit peu difficile. Et là, qu'est-ce que tu fais Tu, tu, tu l'affrontes quelque part Tu t'imposes Comment ça marche Ça demande quand même un sacré courage de, de sentir oui. que son père, il n'est pas ok. Oui, mais je, je, ce qui me fait plaisir, quand je pense rétrospectivement, c'est qu'effectivement, il était très très contre. Il m'a dit des choses très très dures. En pensant que c'était pas du tout possible que j'y arrive, donc là c'était vraiment ce jour-là, je me suis dit, m'a même donné rendez-vous pour me dire, ça n'est pas possible pour toi. Donc là j'étais quand même obligée de, de quitter la pièce euh, pas très gaie. mais en tout cas, je, je, je sais que je n'ai rien fait contre. Je ne faisais pas ça contre eux ou contre eux, je faisais ça pour moi, pour me sauver. C'était une question de vie ou de mort, quoi, presque. Et, et du coup, il t'accompagnait quand même je veux dire, Tu vivais de quoi matériellement euh... Oui, je me suis débrouillée. Oui, oui, oui. Je n'ai pas été lâchée, bien sûr. Non, non. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cours de Daniel Mesguich je, je suis restée très peu de temps parce que, justement, tout de suite, euh, je suis restée deux mois. Mais ça m'a donné euh, euh, l'occasion d'abord de, 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 de travailler des scènes, de rencontrer des gens, de rencontrer... Un, acteur, un élève acteur qui me dit euh, que Antoine vitesse ouvre, une, enfin, ouvre son école à Chaillot et donc euh, fait une deuxième promotion et donc euh, il va m'inscrire comme ça. Je lui donnerai la réplique et il me donnera la réplique, donc on l'a passé ensemble. Et euh, donc je suis restée deux mois. Et mais c'est vrai que chez Philippe Duclos, il m'a tout de suite fait faire de la mise en scène. Il m'a tout de suite, j'ai pas, il s'est tout de suite dit. Euh, j'ai eu l'impression de l'intéresser. Est-ce que c'était une dynamique assez courante à ce moment-là, de comme ça, d'être un peu en recherche du meilleur cours, du meilleur endroit, du meilleur pédagogue, de... Moi, j'aurais bien voulu faire la classe libre à l'époque. C'était la classe libre qu'il fallait avoir, et moi, je l'ai ratée. Ça n'a pas beaucoup changé, je. Voilà. Donc, mais la classe libre, c'était formidable parce que c'était une école, c'était des cours gratuits. Euh, donc euh, le fait que ça soit gratuit, les faits qu'on qu n'ait pas à payer pour euh, pour apprendre, c'était euh, voilà, on n'avait plus qu'à payer son loyer, on n'avait pas à payer les cours quoi. Les, les... Donc il y avait quelque chose. C'est le début d'une reconnaissance euh, de, de faire partie d'un petit groupe, voilà. Que j'ai pas réussi. Je, j je ratais de toute façon toutes mes auditions. Moi, j'ai raté le conservatoire, j'ai raté, je ratais tout. Ah, tu les as quand même passé. Oui oui j'ai quand même passé j'essayais je ratais. Et à quel moment c'était euh, que tu, tu au moment de avant vitesse ou, ou pendant, pendant vitesse ou... ou avant vitesse ou voilà je ratais je ratais je ratais. Et alors donc ces deux mois passent et là the rencontre enfin oui. moi je ne l'ai pas connu mais de ce que je comprends, c'était quand même un mec important euh, <laughs> tu rencontres Antoine Vitesse oui. et il te prend. Dans. dans cette fameuse école qui avait l'air d'être un endroit absolument magique. Oui, c'était assez magique. C'était magique parce que c'était très simple. C'était magique parce que c'était comme un laboratoire, comme un, un, un atelier d'artistes. On, on, on avait le théâtre de Chaillot pour nous, si j'ose dire. Ce, à ce moment-là, ils se, il se jouaient des spectacles mythiques. On, on répétait dans les escaliers, dans les halls, là où on, on trouvait un petit coin pour. On travaillait tout le temps c'était vraiment ça a duré très peu de temps parce que parce que ça devait durer deux ans ça n'a même pas duré deux ans parce qu'antoine au bout d'un an a été nommé administrateur de la comédie française donc on s'est dit ah ben Zut on n'ira pas jusqu'au bout de notre école et Antoine a dit mais je continue à quand même on va quand même donner une, une en fin d'année on va vous allez passer des scènes quand même on va pas vous donc ce qui fait qu'on a passé pas à Chaillot mais à l'Odéon au petit Odéon, Odéon euh, nous je sais pas comment on dit nos, nos classes enfin nos, nos scènes Scène. voilà mais euh, qu'est-ce que vous faisiez alors dans cette école qu'est-ce que vous y avez appris euh, qu'est ce que j'ai appris euh... ben, j'ai rencontré beaucoup d'auteurs suis... avec antoine vitesse le... avant c'était le jeu comme ça les émotions les états les, les voilà plus... et puis avec antoine je... vitesse je pense que c'est l'auteur les, 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 les autrices et les auteurs qui sont arrivés c'était les oui les penseurs les théoriciens les mots euh, et je trouve que c'est une structure euh, formidable pour un pour un artiste quand même. C'est enfin c'est c'est essentiel. Et il vous... J'ai rencontré euh, Michel Vinavert, par exemple, qui est un auteur et un théoricien. Et je me souviens d'un texte qui a été fondamental pour moi où il disait. Euh, euh, pour par exemple travailler un rôle, vous prenez une phrase et vous la dites comme vous avez envie de la dire. Et puis après, vous, vous prenez la phrase qui suit et vous la dites comme vous, la, comme vous avez envie de la dire, sans, sans vous soucier de qui la dit. Et, et, et tout à coup, je me rendais compte à quel point ça ouvrait. Euh, des, des perspectives extraordinaires pour un personnage. Enfin, ça, ça, ça explosait en quelque sorte le, le personnage. Ça, ça, le, ça le rendait immense, Tout était possible et, et les a priori tombaient et les... enfin, voilà par exemple, j'ai cet exemple là qui m'a tenu longtemps Et, et puis, euh, puis j'ai rencontré Materlinck Marivaux, Racine, Molière. Enfin, J'ai la sensation d'avoir. Euh, voilà. C'est là que la, se construit finalement euh, ce, ce, ce qu'est le théâtre, quoi. Ta vision du théâtre Oui, et ton... mais sans que je m'en rende compte. C'est-à-dire ouais. que sur le moment, comme moi j'étais assez euh, insolente, insouciante, euh, je, je, je prenais rien très au sérieux. En même temps, très, très, je trouvais ça grave, mais pas sérieux. Et donc. Euh, c'est je dirais des années après que je me suis rendu compte de l'importance des phrases qu'avait dites Antoine Vitesse et les autres professeurs. Je, 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 je les comprenais immédiatement. D'ailleurs, je me disais toujours je ne comprends que ce que je savais déjà, ce qui était un peu prétentieux. J'avais la sensation que je retenais. Je disais oh, mais il dit des choses que moi j'ai compris. Alors tout le monde va le savoir maintenant. Parce que moi, je le savais là ce qu'il dit. Ça, c'est vrai aussi quand on, quand on est dans son art, je crois qu'on sait déjà tout. Et, et, et que c'est juste des portes qui s'ouvrent. On réveille, on allume des bougies, mais des flammes. Mais il faut bien que la bougie soit là pour qu'elle s'allume. Donc il euh, y a déjà en soi tellement de choses. Voilà, le, le, le maître ou les, les, les profs ou les, les, les élèves ou les, les auteurs réveillent ce que vous saviez déjà. Et euh, c'était combien de temps par semaine cette école C'était tout le temps. C'était le tous temps. les jours. Et on lui, avait... il était là tout le temps, Antoine Non, 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 il n'était pas là tout le temps. Je me souviens d'une fois. Non, on avait eu... Antoine Vitesse nous donner. Euh... Il y avait le grand cours d'Antoine Vitesse euh, une fois par semaine. On avait Aurélien Roquin. Il y avait Jean-Marie Villing. Il y avait Jean-Pierre Jourdain. Il y avait Martine Viard. Euh, J'en oublie. Euh... Et, et tout si vous faisiez passer des scènes Voilà, on passait des scènes. Euh, euh, voilà, on passait des scènes. Le temps. Tout le temps. Enfin, moi j'essayais d'en passer tout le temps. Ouais, ouais donc c'était des classes et on, on, vous faisiez que de l'interprétation, quoi Oui, que de l'interprétation, oui. Il y avait Yanis Kokos aussi qui nous donnait des cours de. Je me souviens, il nous faisait travailler on, il, comme, comme un tableau, on construisait des images avec lui. C'était assez passionnant. Et donc, au bout d'un an, Antoine part à la Comédie Française, mais. Tu n'es pas totalement abandonné. Ben si, je, 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 je le croyais, je le croyais, je, je me disais oh là là maintenant, oui, le, le, le vrai arrive quoi. Le cours c'est un peu un, une parenthèse enchantée. Maintenant il faut travailler quoi. Donc là à ce moment-là, je, oui oui, oui j'ai panique, voilà j eu grosse panique. Je me suis dit oh là, là quest que qu'est-ce que je vais faire Et c'est vrai qu'il y a Antoine qui a avait, il y a un metteur en scène qui devait mettre en scène quelque chose à la comédie française qui est venu un jour en cours et Antoine avait donné deux noms il cherchait une jeune, très jeune actrice et Antoine avait donné deux noms de son cours dont le mien il pensait que je pouvais euh, correspondre mais ce jour là j'étais pas là et euh, l'ami l'autre qui avait été concerné par le, ce metteur en scène me dit écoute il y a un metteur en scène moi je l'ai vu mais il veut aussi te voir donc il faut que tu l'appelles et c'est vrai que j'ai pensé, bah, il m'appellera, hein, s'il veut m'appeler, moi je ne vais pas l'appeler, puis j'étais très timide. Donc je, je me disais, bon, bah, c'est pas grave, c'est pas grave, je ne vais sûrement pas l'appeler, c'est sûr. Et je Les bon donc... choix. Ah oui, oui. Donc je ne l'ai pas appelé, évidemment. Je n'allais pas appeler quelqu'un que je connaissais pas. J'étais vraiment trop, trop timide. Et euh, bon, voilà, le temps a passé. Et en juin, il était professeur, il s'appelait André Steger, il était professeur à, à Strasbourg, un élève a vu, euh, était avec une fille qui était à Chaillot, elle est venue le voir à Strasbourg, il est tombé par hasard sur le petit fascicule qui nous représentait toute l'école. Donc le prof, il a regardé par hasard ce petit, ce petit livret, il a vu ma photo et il a dit, ah oh, mais celle-là, je devais la rencontrer, pourquoi je l'ai pas rencontrée Et donc il m'a appelé. <laughs> et donc, il, il, il m'a appelé, il m'a donné rendez-vous, je me souviendrai toujours, tel Michelet à, à Place de l'Odéon. Et je me souviens, je suis rentrée dans le, le salon, il m'a dit Ah, bah oui, voilà, c'est vous. Donc voilà comment je suis rentrée au français. Et, et, et c'est vrai que c'était un, un rôle assez magnifique. D'ailleurs, Catherine Salvia. Qui est dans la salle ici, était, euh, faisait partie de cette pièce. C'est une pièce qui s'appelle Amour pour amour. Et je dois reconnaître que Catherine Salvia m'a reçue dans la troupe, m'a accueillie d'une façon assez extraordinaire. J'avais un beau rôle, mais j'ai été accueillie d'une manière extraordinaire par Catherine Salvia et Claude Mathieu. Qui d'ailleurs, le jour du, du, où on a fait les saluts, elles ont dit bah, On va mettre Anne au milieu. Et donc, elles m'ont fait saluer pour la première fois à la comédie française, au milieu, en disant, voilà, comme ça, tu es la nouvelle venue, tu vas se saluer au milieu. Je, moi, je trouvais tout normal à l'époque, donc euh, je trouvais ça tout à fait normal de saluer au milieu. Et, euh, après, j'ai compris que c'était incroyable, mais, mais donc j'ai salué au milieu, j'ai sautillé, Antoine Vitesse est venu me voir et m'a dit... Anne, tout allait bien, tu as bien joué, tout ça, mais tu peux pas saluer comme ça. C'est, n'est pas possible, tu as la comédie française, tu sautilles, tu as l'air d'une folle. Ça, ça ne se fait pas du tout. Eh bien, cinq minutes après, il est revenu, il m'a dit, Anne, euh, oublie ce que je t'ai dit, il faut que tu salues comme tu salues, ça n'a aucune importance. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête Je sais pas. C'est incroyable. incroyable ouais. et, et alors, juste avant d'attaquer cet énorme morceau qu'est la comédie française, qu'est-ce qui se passe pendant cette année où, euh, où, où, où il ne t'a pas appelé, le gars Oui. Ben, je, je... Tu erres comme je ça herre, Je erre, je, j'ai je, je, eu un agent, j'ai réussi à avoir un agent, euh, je, je fais des petites choses, euh, des petites choses. Des petits trucs pas très intéressants. J'ai si, aussi été, euh, j'ai joué une fée dans une, dans une Belle au bois dormant. Euh, je me souviens que le metteur en scène, quand il m'a accueilli, il m'a dit Ah, alors euh, oui, on hésitait, on ne savait pas si on allait donner la princesse ou la fée, mais c'est mieux la fée. Voilà. Donc j'ai fait la fée et euh, donc ça, c'était bien. C'était une expérience aussi de de jeu il euh, y avait plus souvent plus d'enfants dans la salle que d'adultes que mais euh, voilà par exemple j'ai fait ça et puis euh, enfin, j'ai paniqué quoi Ouais. Et donc cette comédie française, cet accueil à la comédie française plutôt très positif Oui, euh, Immédiat. Et Une maison qui t'accueille, qu'est-ce que ça représentait pour toi à ce moment-là, quelque chose ou pas la comédie française euh, La comédie française, d'abord je pensais que j'y n'y rentrerais jamais parce que j'avais raté le conservatoire Donc j'avais vraiment tiré un trait dessus et euh, ça ne me faisait pas plus de peine que ça parce qu'il ne faut pas regretter ce qu'on n'a pas. Donc, euh, voilà, c'était comme ça. Euh, J'avais des, des, des souvenirs de spectatrices euh, jeunes filles ou, ou enfants, parce que j'y avais été quelques fois. Donc, euh, je... je... Qu'est-ce que je pourrais dire Je pensais que j'allais partir euh, un an après, de toute façon. Je pensais que j'allais jouer cette pièce et puis qu'après, j'allais partir. Donc, je... je... Qu'est-ce que je pourrais dire Je me souviens de cette, cette première lecture. C'était quand même très impressionnant. C'était la première fois que je me retrouvais dans un. Il y avait C'était une pièce avec beaucoup beaucoup d'acteurs, une immense distribution. Euh, J'avais l'impression d'être assez déce, de décevoir, c'est-à-dire que les gens, euh, hop, c'était pas tout à fait comme ça qu'ils auraient imaginé le, le personnage. Je me, je me souviens d'avoir pensé ça. Je, je me souviens que euh, voilà. Puis dès que je me suis mise à jouer. Là, j'ai tout de suite une impression que les regards changeaient. Mais comme ça, immédiatement, euh, ce n'était pas forcément une évidence pour eux. Enfin, c'est peut-être ce que je me suis raconté. Mais oui, parce que tu me disais qu'à ce moment-là, tu avais très confiance euh... en moi. Euh... Oui, à ce moment-là, j'avais vraiment très confiance en moi. C'est vrai. J'avais la sensation que je mettais le pied sur le plateau, il se passait un truc. Que ça allait aller, que ça allait, que c'était intéressant ce que je faisais, que ça allait. Voilà, c'était bien. Et, et, et puis le doute est arrivé. Voilà. Et alors pourquoi d'abord tu restes alors, si, Parce que tu pensais partir bah, euh, au bout d'un an et tout, et puis finalement. Bah, non. Je reste parce que des gens merveilleux me proposent des rôles merveilleux. Et donc. Euh, mais j'étais vraiment insouciante. Hein. Je, me, je me souviens, justement, Antoine Vitesse m'avait dit il euh, y a tel metteur en scène, c'est un metteur en scène très prestigieux, il te veut dans ce rôle. Et puis, euh, moi, j'avais pensé... Il euh, y avait un film... Enfin, euh, on, on m'avait parlé d'un film. Donc, euh, j ai, j ai, dans les couloirs, comme ça, j'ai crié à Antoine. Ah, Antoine Au fait, pour le rôle, c'est non Ah La tête d'Antoine Il s'est dit, mais c'est pas possible. Elle se comporte très mal. On ne fait pas comme ça. On... Enfin, j'ai dû apprendre... Euh, voilà. Et d'ailleurs, en parlant de as dû apprendre, à quel moment... Euh, tu as l'impression d'apprendre ton métier euh... Tu as l'impression d'apprendre Est-ce que tu as eu l'impression d'apprendre à être actrice Est-ce que pendant que tu rentres, que tu continues ton trajet d'actrice, tu continues à apprendre comment ça, comment ça se forme dans ta tête, ce, Alors, ce moment C'est intéressant parce que euh, comme tout était facile, pardon non mais c'est vrai comme tout était facile euh, j'avais la sensation qu'on apprenait euh, grâce à un personnage grâce à un rôle c'est à dire que euh, on découvrait un nouveau rôle donc, on... donc euh, une méthode devait se créer quelque chose devait s'inventer pour cette nouvelle partition donc ça j'avais toujours conscience mais comme ça allait facilement comme tout était toujours évident voilà, c'est comme ça que ça allait et ça allait aller très très bien. Mais un jour, on rencontre un rôle qu'on ne comprend pas. On rencontre un rôle qui, qui, avec des, des gens qui vous demandent des choses qu'on ne comprend pas. On, on, on ne comprend plus rien. On ne sait pas ce qu'on fout là. Et tout à coup, le doute euh, arrive. Et là, on ne sait plus jouer la comédie. Puis il y a une autre chose, c'est que quand on est à l'école, c'est quelque chose. Mais quand on, on commence à le faire pour de vrai... Il euh, faut tout réapprendre. Et ça, j'ai eu conscience de ça, qu'il fallait tout réapprendre, que l'autorité qu'on pouvait avoir dans un cours, c'est pas cette autorité-là qui va. Enfin, c'est une nouvelle autorité euh, sur un plateau euh, plus avec des gens qui ont beaucoup, beaucoup joué au français. Tout de suite, on arrive avec des gens qui ont parfois euh, 50 ans de jeu ou 30 ans ou je ne sais plus combien de jeux, mais enfin 20 ans de jeu derrière eux qui, qui connaissent leur corps, leur partition enfin leur, 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 leur instrument, leur hein. instrument euh, euh, et nous on arrive on est on, on sait pas grand-chose alors là je me suis rendu compte que je savais pas grand-chose et puis encore une fois quand tu casses la figure et que tu te rends compte que même tu sais plus comment marcher sur un plateau je me suis rendu compte que je, ce rôle m'a traumatisée. m'a traumatisé je savais plus comment marcher je savais plus comment je, ma voix tout tout était horrible et là euh, voilà, c'est une crise de doute c'est un, une remise en question formidable et en fait ma grande rencontre la deuxième c'est celle avec Alain Françon qui, qui, qui me demande dans, dans le canard sauvage enfin, en fait c'est moi qui suis allée en fait, Jacques Lassalle me dit euh, euh, je pense à vous l'année prochaine euh, je monte enfin, j'ai programmé euh, euh, Hamlet et je voudrais bien que vous jouiez euh, Ophélie. Et moi, je lui dis, euh, ah mais moi, j'ai vu que vous, vous avez programmé aussi le canard sauvage. Et euh, s'il faut que je choisisse, est-ce que je ne pourrais pas jouer dans le canard sauvage Alors déjà, il n'est pas très content. Euh, Qu'est-ce qu -ce que c'est que ces jeunes qui discutent Et euh, il me dit, mais de toute façon, Alain Françon a déjà choisi sa, sa jeune fille. Donc, euh, non, ça... Enfin, en tout cas, pour jouer le jeu de la troupe, je vais vous faire faire une rencontre avec Alain Françon. Donc, j'ai rencontré Alain Françon, euh, enfin, c'est moi qui ai demandé à le rencontrer. Hein. Et... et puis, la conversation s'est bien passée et il m'a dit euh, Ok, ok, je vais jouer moi le jeu de la troupe et je, 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 te, je veux bien. Enfin, tu vas jouer ce rôle, voilà. J'ai euh, été très heureuse, et, et mais beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que euh, là, c'est comme une, une confirmation que, que le jeu euh, allait me passionner, que c'était compliqué, que rien n'était acquis, que, que, que ça pou une vie pouvait, pouvait se consacrer à ça et que... Euh, et que voilà, on, voilà, maintenant, enfin, maintenant, faut travailler, faut travailler, comprendre, chercher, douter, euh, souffrir, être joyeux. Euh, voilà, ça allait être très, 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 très compliqué, mais mais très passionnant. Et donc, est-ce est que ce serait là que commencerait un peu euh, comme la fin de l'apprentissage et le début de la vie d'actrice Parce qu'on voilà. sait qu'il y a une espèce de transformation entre de l'ingénuité et puis d'un coup, ah non, en fait, ok, c'est ça le métier d'acteur, quoi. Voilà, moi j'ai la sensation de de, de comprendre. Euh, quelque chose d'important je pourrais peut-être même pas le nommer peut-être ce que tu viens de dire là euh, avec ce rôle ouais parce qu'en plus oui oui avec ce rôle je me souviens que euh, avant je convoquais des choses artificielles, par exemple demander qui est dans la salle. Ah ben je vais jouer pour cette personne. Ça me donnait du souffle. Ça, c'est absurde. Et avec ce rôle, je, je faisais presque plus une prière pour, pour, pour que ça ait lieu, pour que ça ait lieu, pour que l'émotion soit là, pour que, pour que, oui, pour que ça existe. Je me disais, euh, euh, ouais, je me vois priant presque avant de rentrer sur scène avec ce rôle. Parce que ça convoquait une émotion si forte que je, je me demandais si ça allait arriver et que je, ne, je savais qu'il n'y avait rien à faire que d'être là et que ça servait à rien de, 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 de me torturer avant, de, 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 de chercher des choses avant. C'est là qu'il faut que ça se passe, c'est maintenant. Et, et donc, pour que ça se passe maintenant, il, il faut être là. C'est simple et compliqué. Est-ce que tu as mis, commencé à mettre en place des stratégies, des techniques pour être là euh... Bah, C'est-à-dire que dès qu'on sent qu'on n'est plus là, euh, je pense qu'on perd l'attention, la vraie attention. Celle qui... qui, qui, qui... L'attention l... dans les deux sens. Le, le, le... On... Par exemple, moi, quand je vois des danseurs, les plus grands danseurs, c'est vraiment celui dont je me dis, il ne sait pas où il va mettre le pied. Après avoir posé celui-là, où est-ce qu'il va mettre l'autre Et, et les, les acteurs qui me passionnent le plus, c'est les acteurs où tu, vraiment tu ne sais pas. Euh, je me souviens d'une fois, euh, je, 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 Michel Aumont me, me répondait dans une pièce, Enfin, j'avais l'honneur qu'il me réponde, et vraiment je me disais mais comment il fait On dirait pas qu'il sait ce qu'il va dire après. C'était. Voilà, j'étais suspendue à ses lèvres et... Voilà, et, et... je ne sais plus la question. Moi non plus. <rire> <Ouais>. <rire> voilà. Non, si, c'était... En fait, mais quelque part, euh, disons que je vais en poser une autre à la place, c'est... Euh, euh, on a l'impression que tout devient école et que surtout, euh, tu as un regard qui devient un regard... Euh, euh, D'expertise euh, et que tu commences à emmagasiner de l'information beaucoup, je crois que ça continue toujours aujourd'hui et que oui. tu as une vraie passion pour ça. Ah oui, oui, oui je trouve que c'est magnifique le jeu, euh, regarder comment les autres jouent, euh, écouter, euh, euh, parfois regarder un très grand film avec une très grande interprétation, c'est un cours de théâtre ça pour moi, c'est un cours de jeu. Je ne sais pas si le cours de théâtre, moi j'aime le cours du jeu, le jeu. Voilà. Et, et euh, jouer, regarder les autres jouer, euh, euh, ça me passionne. Et tu lui as demandé à Michel Aumont comment il faisait, alors Ah non, j'aurais osé. Ah non, 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 j'étais très intimidée par lui, je ne l'ai pas croisé beaucoup. Et euh, je, de toute façon, je me doutais qu'il jouait. C'était tellement en lui, je pense qu'il m'aurait regardée en disant, qu'est-ce que... Qu mais est-ce que du coup, dans la troupe et d'être dans la troupe, ça vous vous échangez là-dessus sur euh, mais alors là, comment tu fais Comment est-ce que oui. tu regardes comment les autres travaillent Oui, moi j'aime beaucoup ça. J'aimerais que ça soit encore plus. J'aimerais qu'on partage encore plus ça. Euh, dès que je peux, euh, j'adore parler du jeu. J'adore. Euh, euh, oui, j'aimerais qu'on en parle encore plus. Et comment tu te prépares alors pour un rôle euh... C est, c est, c est, c est, je ne sais pas si je me prépare, mais je. Je ne me prépare pas, mais je. Euh, comment. Je travaille. Euh, bah, je ne sais pas. Je me fais amie avec les phrases que j'ai à dire, par exemple. Ça, c'est. Je. Voilà, j'aime ai, tellement travailler une phrase, je la travaille, je la travaille, je la travaille, je la travaille. J'aimerais tellement qu'elle puisse m'échapper, ne pas penser euh, que je suis en train de la dire, ne penser à toute autre chose en train de la dire, euh, pour, pour qu'elle me surprenne, pour que je sente la surprise. Euh, voilà, me laisser surprendre, surprendre. Euh, C'est le mot clé. Et euh, comment? Euh euh, tu te... justement avant d'entrer en scène une fois que vous avez répété, travaillé tu t'es laissé euh, 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 guider par le, par le metteur en scène enfin, par exemple moi je me souviens de toi dans guermantes dont on a un peu parlé et tu me dis ah mais moi je trouve que ce qu'il nous disait Christophe Honoré c'était vraiment incroyable pour pouvoir jouer et tout comment ça résonne en fait comment ça... parce que je suppose aussi que tu as été très vite euh, donc pensionnaire, euh, assez vite sociétaire. Maintenant, tu es sociétaire de la Comédie Française depuis un moment. Ça donne quand même une place, un endroit. Euh, et puis en plus, à la Comédie Française, vous avez quand même ce truc merveilleux de jouer tout le temps avec, en gros, le meilleur du théâtre mondial. Euh, ça donne une, un, un CV, une, une, un bagage, un, une culture qui fait que tu dois. Est-ce que ça change la manière d'aborder un rôle Ça donne une sécurité. Que... Oui, bah non. Alors sécurité, absolument. C'est tout le contraire. Et c'est drôle parce que tu parles de d'être chargé. Donc imagine quelqu'un qui aurait un sac de plus en plus lourd. Donc ça serait plutôt un poids. Quelque chose de positif. Et puis tu parles de, de Christophe Honoré, de Guermante et de Marcel Proust. Regarde comme. Enfin, si on n'a pas lu, on se souvient, ou on, on apprend que dans le temps retrouvé, il raconte comment, euh, en vieillissant, nos jambes semblent s'allonger, on est de plus en plus long et c'est de plus en plus difficile de marcher parce qu'on est de plus en plus loin de la terre et de plus en plus fragile. Et, et, et on et on peut de plus en plus tomber de haut. Donc euh, je pense qu'avec le temps, euh, on est de plus en plus fragile. Et de plus en plus... Oui, c'est de plus en plus inquiétant. Ça, c'est sûr. Mais pourquoi Impossible de répondre. Euh, la fragilité euh, c'est la lucidité c'est la conscience c'est je sais pas comme si vous aviez de plus, de plus en plus de responsabilités à cause de tout ce que tu as parcouru ah non 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 parce que moi je suis un projet un projet un projet j'essaye d'être de, de, tout à ce que je fais donc quand on est tous à quand on est absolument là où on est à ce qu'on fait on, on il n'y a pas de passé. Il, le passé est en nous. Le, le temps est là, oui. Mais on n'y pense pas. Euh, je ne sais, sais pas. Tu ne crois pas du tout à l'expérience Je trouve qu'elle ne sert pas à grand-chose. J'ai peur d'être décevante, mais je ne trouve pas que l'expérience serve à grand-chose. D'abord parce que l'expérience, on se rend compte qu'en euh, admettant... Je vais faire une hypothèse. J'ai 30 ans. Et donc, j'ai 30 ans, mais j'ai 30 ans et une seconde. 30 ans et une seconde, ce n'est pas 30 ans. C'est 30 ans et une seconde. Et c'est 30 ans et une seconde qui jouent. Donc, ce 30 ans et une seconde, quand tu avais 30 ans, bah, tu avais 30 ans. Mais maintenant, tu as 30 ans et une seconde. Tu n'es plus la même, c'est plus pareil. Tu peux pas... Ça change tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour que ce soit vivant, c'est différent. C'est plus pareil. Et donc, est-ce que ton, ton travail d'actrice, c'est du coup de, de, de mettre à disposition d'une pièce, d'un metteur en scène, d'un metteur en scène ou d'un projet en tout cas, euh, toi, exactement toi, au moment où, où, où tu es toi. Enfin, je veux dire. Oui, oui, euh... ça, c'est ça. C'est être le. Possible présente là avec effectivement tout, tout, tout ce que le, le metteur en scène ou la metteuse en scène vous, vous, vous a proposé, mais surtout être là, être là. Ouais. Mais est-ce que, avec le temps, il y a toujours, je veux dire, si demain il y a un nouveau metteur en scène qui vient, on sait pas ce qui se passe. La comédie française, ils ont pris quelqu'un de, de totalement naze et il te dit oh, ça, va pas du tout, comment tu joues, c'est je veux dire, tu peux pas y croire. Ah, oh ben si, ah ouais, ouais. Non. Ah, bah, si. Je te le dis là, écoute, entre <laughs> nous Ne euh, si, le crois, crois, crois je pas. Que... <laughs> si, je crois que je serais capable de le croire. Euh... Euh... Si, si, je pense, qu je pense que c'est plus difficile de, de rendre quelqu'un très bien. C'est assez facile de, de casser quelqu'un. Oui, je crois. Oui. C'est très facile de détruire. Regardez quand on voit, il y a des images comme ça où on voit, pour reconstruire, d'ailleurs, on détruit un immeuble, avec hop, un coup de, de dynamite et, et la chose explose. Quand on sait que, bah, regardez comment Notre-Dame a, a brûlé en si peu de temps et combien de temps il a fallu la construire. Je pense que détruire est assez facile et Mais rapide. Dans ce cas-là, quand on fait ce métier depuis... Euh euh, quelques années, euh, surtout en, à, dans, dans cet endroit si euh, euh, spécifique, mais spécifique dans le sens euh, merveilleux de euh, de la comédie française. Euh, Est-ce qu'il ne faut pas quand même se protéger parce que vous avez dû en croiser et des, et des metteurs et des metteuses en scène, mais aussi des, euh, euh, des doutes, des difficultés, des, des rôles difficiles et tout ça. Comment euh, comment on tient bon si à chaque fois on, on, on croit euh, tout ce qu'on nous dit? On croit à tout ce qu'on dit. Je ne sais pas si je crois à tout ce qu'on me dit, mais. je mais... Secondez pour l'heure. Oui. Mais, euh, mais le, le, le. Non, le. le, le... Euh, mais il faut pas se protéger. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas se protéger parce que quand on se protège du, du négatif, on se protège surtout du positif. Donc, il ne faut, il faut pas se protéger. Il faut. Euh, Prendre les coups et ramasser les compliments et puis c'est pour tout le monde pareil. Si on se protège, on n'aime pas et si on n'aime pas, c'est pas possible. On fait ça. En, en réalité, avec le temps, on se rend compte qu'il n'y a que le cœur qui compte et que et que si on se protège, on, on donne pas l'essence. Enfin, on, oui, on donne pas l'essence, on donne pas. Donc c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, alors je dois euh, ouvrir les questions à la salle même si j'en ai encore quelques-unes mais bon je vais prendre sur moi euh, encore j'ai de la chance puisque anne reste là jusqu'à la fin de la semaine prochaine donc j'ai la chance de la voir et de lui poser des questions à peu près tous les jours euh, est-ce que vous, euh, vous voulez profiter de ce moment il y a un micro qui va circuler euh, pour poser des questions à anne? Bonjour Anne. Bonjour. Alors, merci beaucoup euh, déjà pour euh, tous vos mots. C'est assez inspirant et c'est assez euh, déroutant aussi de voir que, que vous avez pu dire non et que vous avez pu avoir un parcours tel qu'il est, tel qu est euh, en, étant, en restant vous-même. Donc euh, merci beaucoup. Et euh, je voulais euh, juste vous demander enfin euh, vous, vous êtes sociétaire de la Comédie Française. C'est un petit peu, euh, moi jeune comédien, c'est un Graal. Qui fait partie du rêve. Est-ce que vous, vous avez des rêves encore en tant que comédienne Ah ben bah oui. Moi, mon rêve, c'est de, c'est de, c'est de rencontrer des, des personnes qui m'inspirent. Voilà. Être inspirée, c'est voilà, de, 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 de rencontrer. Bonjour, comment est né le spectacle que vous présentez en, en ce moment dans ce théâtre Il est né parce que c'était l'année Molière et donc euh, j'ai proposé à Eric Ruff, euh, il m'est venu comme ça l'idée de, de commencer avec Louison et puis de finir avec Pernelle, de, de traverser une vie en une heure de toutes ces femmes. Voilà, C'était une proposition un peu spontanée. Elle n'était pas aussi réfléchie quand je l'ai proposée à Eric. Et Eric, spontanément, m'a dit oui. Et là, j'ai commencé un petit peu à. En tout cas, je savais que je voulais commencer avec Louison, poursuivre avec Agnès et finir avec Pernelle. Voilà. Bonjour Anne. Bonjour. Bonjour. Anne. Merci pour tout. <laughs> euh, moi, je me pose la question on n'a pas beaucoup parlé. Est-ce que vous avez un rapport au cinéma Et si oui. Euh... Lequel ben alors moi, le, mon rapport au cinéma, il est, il est, je suis en adoration, je, je suis une cinéphile, j'ai vu un nombre de films incroyables, donc déjà comme spectatrice, je suis presque meilleure spectatrice de cinéma que de théâtre, mais Enfin, voilà. Et euh, j'ai toujours pensé que c'est formidable pour un acteur de pouvoir jouer euh, euh, et au cinéma et au théâtre. Je, je pense que encore une fois, ce que je disais, c'est des cours de jeu, c'est pas des cours de théâtre. Donc jouer, c'est jouer, jouer pour une caméra ou jouer, et voilà. C'est, il faut juste réfléchir. Évidemment, on va se mettre à projeter comme un fou quand on, on sait. Ben là, même moi, je projette pas j'ai un micro. Donc euh, tout de suite ça. Mais cette, cette question intéressante. Quand j'ai été dirigée par Arnaud Desplechin. Hein, euh, qui était plus un qui est plus un metteur en scène de cinéma. Euh, il m'a fait réfléchir parce que je me suis dit dans le fond, euh, il me donnait l'impression d'être un metteur en scène de gros plans. À chaque fois quand on, on, on répétait au théâtre, il était si près, il se mettait si près en dessous, on avait l'impression même qu'il se plaçait de là où il faisait son plan. Donc je réfléchissais au, au jeu du cinéma avec lui en travaillant un rôle de théâtre. Et dans le fond, je me suis rendu compte que euh, C est, c est, ça fait longtemps que je pense ça, mais c'est vraiment la même chose. C'est-à-dire, c'est, oui, il était proche de nous, mais, mais euh, j'ai pas changé mon, j'étais quand même dans une salle de répétition de théâtre et je, je travaillais comme au théâtre. C'est-à-dire que c'est de l'intime. C'est le, le premier spectateur, la première spectatrice, c'est vous-même quand même quand on joue. Je dis pas, je dis pas qu'il faut pas s'oublier justement et que, mais. Voilà, et donc, euh, enfin bref, là, je suis devenu un petit peu théorique, mais... Euh, c'est super Il euh, y a une chose qui est, je trouve, très, très difficile, moi, le cinéma, parce que j'en ai fait très peu, donc j'ai pas une grande expérience, mais je trouve que ce qui est très difficile au cinéma, c'est... C'est pour ça que je les admire beaucoup, les acteurs qui, 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 qui gardent leur calme, parce qu'on dit action, c'est maintenant là. Au théâtre, bon, d'accord, on dit ça y est, euh, attention, ça commence, mais bon. Mais là, on dit maintenant, vas-y, c'est là. Et, et là, faut, faut pas rater son texte, il faut pas, faut, faut, il faut s'oublier immédiatement. Euh, c'est un art de l'instant qui m'émerveille le cinéma. Mais, mais en même temps, moi, je considère qu'une pièce de théâtre, c'est comme un plan séquence, c'est-à-dire euh, ça commence et, et hop, ça doit être tout de suite maintenant. Donc voilà, ça c'est similaire pour moi en fait. Sauf cette, cette idée de la proximité de la caméra et. Euh, être juste là tout de suite et pouvoir se donner aussi, euh, donner son visage, son corps, euh, c'est quelque chose d'extraordinaire de, de, de se livrer comme ça au cinéma, qui m'impressionne. Est-ce qu'il y avait une autre question Je pense qu'il s'est mis tout en haut exprès. <laughs> Moi, je voulais revenir sur ce que vous avez dit, sur euh, comment vous vous sentez, euh, plus, plus vous vieillissez, plus vous vous sentez fragile. Euh, est-ce que, du coup, ce n'est pas parce que quand on vieillit, on a de plus en plus conscience de nos peurs, c'est peut-être ça, on conscientise les choses un peu plus, mais est-ce que quand on vieillit, on n'est pas aussi plus sage et, euh, et on n'a pas plus de tranquillité et de recul par rapport aux choses Oui, c'est possible, c'est les deux, parce qu'en même temps, euh, euh, je... J'arrive beaucoup plus à dompter mon trac, par exemple. J'ai beaucoup moins le trac, c'est-à-dire que euh, quand j'ai dit que c'est pas grave, c'est vrai, il y a quelque chose, c'est pas grave. Et je dirais même que si je me prends les pieds dans le tapis, ça va réjouir absolument tout le monde. Donc euh, voilà, il y a quelque chose de l'ordre du, du, du trac qui, qui, qui s'en va avec le temps là, pour le coup. Mais il y a quelque chose aussi où on se dit. Euh, on n'est que soi, Enfin, il y a quelque chose de... Oui, peut-être modestie qui... En tout cas, moi, qui m'a... qui, qui... qui m'a attrapée et je... qui ne me quitte pas. Est-ce que quelqu'un a une autre question est-ce que pendant que vous réfléchissez, moi je peux en poser une La réponse est oui. C'est comment se passe la transformation de l'actrice vers la metteuse en scène, puisque finalement on n'a pas eu le temps d'en parler. Ah. Euh, Est-ce que c'est la même personne Est-ce que c'est la même manière de réfléchir Est-ce que c'est un autre rapport au texte, au, au monde ah Non, c'est le même rapport, c'est la, la même personne. Mais en revanche, il y a quelque chose de très étonnant. Alors peut-être parce que je suis vraiment une actrice, c'est-à-dire que pendant que je mets en scène, les premiers, par exemple les premiers jours où l'acteur arrive en face de moi et dit quelques phrases par cœur, je me surprends à penser wow, ⁇ Waouh, il a appris le texte par cœur ⁇ Je ne je le, je, je le dis pas, mais je suis épatée de... de de, 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 je, je me rappelle plus que je suis une actrice, quoi. Je, 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 je ne me mets jamais, je me dis jamais, moi je le jouerai comme ça. Ou je, je, suis, je suis assez émerveillée de l'acteur au travail. L'acteur au travail m'émerveille, me, 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 me plaît. Euh, et je pense que c'est aussi ça qui m'aide à. Enfin, les acteurs, les actrices sont contentes et contents de mon regard souvent. Je, 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 je suis très. Et puis en plus, je suis une spectatrice assez difficile. Donc, euh, dès que je. Dès... En fait, dès, dès que c'est trop volontaire, euh, je, 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 je vois que c'est par effort et par courtoisie, par gentillesse je sais pas des mots un peu idiots que je viens de dire que l'acteur fait quelque chose. Et je propose souvent à l'acteur de. Ouais, vas-y, t'es là. C'est bien. Vas-y. Enfin, de. de... Voilà. J'essaye de ne pas intervenir aussi entre le rapport qu'a l'interprète avec le poète. C'est-à-dire que cette chose si merveilleuse, ce cœur à cœur entre le poète et l'interprète, j'essaye de ne pas y toucher. Je parle de plein d'autres choses autour pour ne pas toucher à cette chose-là qui, quand elle aura lieu devant les gens, va être à tomber par terre, puisque déjà devant moi, elle l'est souvent à tomber par terre. Le moment de répétition doit être. C'est pareil quand il y a des gens ou quand... Voilà, il n'y a pas grande différence. Souvent, il y en a une trop grande, justement. On se prépare trop pour les gens. Donner, donner ce que vous donniez là, comme ça, ça c'est tellement rare. C'est les gens qui apportent la différence à l'acteur. Est... Bonjour. Vous m'entendez Oui. Euh... Tout à l'heure, tu parlais de, de l'importance du dessin avant ton arrivée au théâtre, mais euh, le dessin est toujours aussi important dans ton parcours, euh, puisque tu as fait la. Je, je crois que dans Psyché, tu as fait la. la... C'était noté que tu faisais les fresques. Euh, il me semble que tu as fait la, fidéo, la vidéo de, de Cyrano de Bergerac par euh, Podalides, enfin, de la mise en scène de Denis Podalides. Euh, je me souviens que dans quelques médi... dans la de la web télé, on te voyait souvent en train de peindre, et puis tu as fait euh, les dessins de ce spectacle. Et du coup, comment le, le dessin nourrit euh, ton jeu Est-ce qu'il le nourrit Voilà. Le, le, le dessin, euh, euh, moi, je connais beaucoup d'acteurs qui dessinent très bien, qui peignent très bien. Moi, je pense déjà que le, le, tout le monde dessine très bien. enfants on dessine tous. Et puis tout à coup, on quitte ce truc. Il euh, y a des gens qui quittent le dessin. Et puis, et puis d'autres qui ne quittent pas le dessin. On ne sait pas. C'est magique cette histoire de dessin. Mais moi, en général, j'aime les dessins de tout le monde. J'adore, j'adore les dessins des gens qui me disent, je sais pas dessiner. Alors je dis, ah bon, montre. Et puis souvent, je vois le truc, je dis, mais moi, ça me plaît beaucoup. Après, évidemment, il y a des gens qui dessinent. Il y a des génies. J'adore les génies aussi. Mais je veux dire que, euh, voilà, le dessin, euh, euh, le trait. Euh, tout, tout est, on peut faire des ponts entre le jeu et le trait. Et voilà. Mais pour par exemple ce spectacle, euh, je me disais si je dis à Eric, si euh, je fais des femmes, euh, est-ce qu'il va vouloir J'ai dit je ferai des dessins aussi, comme, comme pour, pour, pour que la proposition passe. Voilà. Je dis, je, dis ah ben, je ferai des dessins aussi si tu veux, comme ça, euh, voilà. pour que ça ait l'air un peu plus original. <laughs> Voilà. mais enfin je, je, je ne sais pas quoi dire sur le dessin le dessin euh, je ne peux pas m'en empêcher je, 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 je reconnais que euh, si je savais écrire je serais plus heureuse que si je voilà le dessin est là parce que je ne sais pas écrire mm -mm. je n'y arrive pas alors que euh, dessin euh, profusion voilà. C'est un pont pour l'autre. Un dessin, c'est juste aussi pour dire, euh, je passe un moment avec quelqu'un et je lui dis, euh, j'ai passé un bon moment avec toi. Au lieu de lui dire, j'ai passé un bon moment avec toi, je lui fais un dessin. Voilà. Est-ce que c'est votre dernière chance <laughs> Car nous arrivons à l'heure, nous devons nous arrêter, c'est maintenant ou jamais, elle va disparaître, elle va redevenir actrice totalement. Elle va passer sous les limbes de la scène. Bon, alors tant pis pour vous. Voilà, il faut saisir sa chance, hein. Je veux dire, elle va pas vous appeler. Hein. Euh, mais euh, Anne, est-ce que tu peux nous dire, ouais, parce que du coup on va te retrouver dans plein de trucs cette année, il euh, y avait encore plein de choses dont on aurait pu parler, mais je, je garde mes questions pour la suite. Mais euh, dans quoi on va te retrouver après ce spectacle eh ben là, euh, Dans un peu plus longtemps, dans la comédie musicale qu'a qui inventée Marina Hans et, et Serge Magdasarian, mais quelle comédie Et euh, ça se redonne à Richelieu. Et donc, euh, je vais retrouver mes camarades. Euh, et voilà. et, et euh, mourir sur scène. <rire> <rire> et ben, merci beaucoup. Euh, merci. Et merci, merci d'être là chez nous. Merci beaucoup. Merci. merci. <laughs> merci.